c'est bon, Jésus, raison de la radio. Respiration, dans un instant, l'actualité mondiale. Vous êtes donc sur les ondes de la radio Respiration. Maintenant, l'actualité mondiale. Nous allons en Haïti. Les leaders de l'opposition radicale n'ont pas abordé le dossier de la démission du chef de l'État lors de leur rencontre hier avec l'ambassadrice des États-Unis à Port-au-Prince, Pamela Ann White, le secrétaire général de la fusion des sociodémocrates, Rosemont Pradel, le dirigeant de l'unité, Sorel Jacinthe, le dirigeant de MOPOD, Jean-André Victor, a confirmé que le départ du chef de l'État n'a pas été évoqué durant les échanges sur la crise. Le président américain Barack Obama n'a eu d'autre choix que de demander deux paquets d'aide financière d'urgence pour la défense, le premier pour les mesures sanitaires engagées contre le virus Ebola, et le second afin de poursuivre l'offensive aérienne contre Daesh et renforcer les Peshmerga kurdes, étranges noyades d'uniformes galonnées dans les allées du Capitole, le cœur du pouvoir législatif à Washington. Depuis la démission surprise du secrétaire à la défense Chuck Hagel, les généraux du Pentagone en panique font le siège des élus fédéraux de tous bords. Leur but, convaincre ces derniers de renoncer à des coupes sombres budgétaires intervenant selon eux au pire moment. Selon le Nouvel Observateur, une annexe de l'ambassade de Chine en banlieue parisienne dispose de paraboles capables d'intercepter des communications entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Cette annexe de l'ambassade chinoise est située dans une rue paisible de Val-de-Marne, selon le Nouvel Observateur. Le numéro 148 de la rue du lieutenant Petit-Leroy à Chevilly-la-Rue, à Bitreray, en réalité un centre secret d'écoute satellitaire. Les trois paraboles installées récemment sur le toit d'un bâtiment en témoignent. Celles-ci ont d'ailleurs attiré l'attention des services secrets français et, à en croire un expert consulté par l'hebdomadaire, deux d'entre elles servent à intercepter des communications entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. En Colombie, le gouvernement colombien et la guérilla des forces armées révolutionnaires de Colombie, FARC, se sont accordés sur une reprise des pourparlers de paix à partir du 10 décembre. Ont annoncé mercredi à La Havane des représentants de Cuba et de la Norvège, pays garant du processus de paix colombien. C'est un coup d'œil sur l'actualité mondiale. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration, votre station de prédilection. Dans un instant, la chanson du jour. Gardez l'antenne.
sur terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'est quasiment la fin de ma journée, mesdames, mademoiselles et messieurs, à l'avanza de Port-au-Prince, Licambe et Bangotème. Jolie chanson. Saluer tous les membres de la première église baptiste de Port-au-Prince. La chanson du jour que vous écoutez présentement. Oui, il nous a fait la promesse suivante. Je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Il est toujours à côté de nous quand les choses vont de mal en pis. Il fait surface de notre vie quand les choses vont de mal en pis. La musique. De ma journée, Emmanuel Élisée Norestin,
Je salue Benita Zonga qui écoute présentement Radio Respiration. Hi Benita, how are you doing tonight? Have a good night on Radio Respiration. Enjoy our show. Merry Christmas and Happy New Year, Benita. Nice to talk to you on Skype. Comme je l'avais dit tantôt, c'était pour la présentation de ma journée, Emmanuel Élisée Norestin. Je vous souhaite de passer une bonne nuit sur les ondes de la radio Respiration. Gardez l'antenne. Bye bye. Passé comme prévu, ça recommence comme avant. Ma journée commence avec la respiration de la parole de Dieu. Pour passer une bonne journée, appelez au numéro 213 493 0167, 213 493 0167. Bonne journée.